Le cours lu, chapitre Indépendance et construction de nouveaux États, par M. Montalibé, au programme d'histoire classe de 3e. Bonjour et bienvenue dans ce 5e chapitre au programme d'histoire. Des puissances coloniales affaiblies. Dès le lendemain de la Seconde Guerre mondiale, les revendications d'indépendance resurgissent, alors que les métropoles sont affaiblies matériellement et moralement. Ces mouvements nationalistes sont soutenus par les États-Unis et l'URSS. De plus, pendant le conflit mondial, le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes est affirmé comme l'un des buts de guerre des Alliés, puis est inscrit dans la Charte des Nations Unies en 1945. En 1955, la conférence de Bandung marque l'affirmation collective des États indépendants contre les pays colonisateurs, afin qu'ils quittent les dernières colonies encore sous tutelle des métropoles. Le processus de décolonisation. Une première phase de décolonisation touche l'Asie entre 1945 et 1955. L'Inde et le Pakistan deviennent indépendantes en 1947 à la suite de négociations avec les Britanniques. L'Indochine, sous autorité française, ne s'émancipe qu'en 1954, après un long conflit armé. La décolonisation se poursuit en Afrique à partir du milieu des années 1950. La Tunisie, le Maroc et les colonies d'Afrique noire, l'AEF et l'AOF, obtiennent leur indépendance après des négociations. En revanche, en Algérie, le FLN n'obtient l'indépendance qu'en 1962, après 8 années de guerre. Les difficultés des nouveaux États. Les nouveaux États tentent ainsi de s'émanciper de toute domination économique, pour former le tiers-monde, voulant peser sur les grandes orientations du monde. Mais les nouveaux États sont fragiles, ils peinent à développer leur économie et certains connaissent de grandes difficultés politiques.